Too much to whisper Sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Facebook Live de ce soir. On est en fin de semaine ici avec le journal du golf en direct du magnifique centre Golf Up situé à Grimaud. Dans le sud de la France, je suis extrêmement heureux. À chaque fois que j'arrive à rentrer dans le sud de la France, je suis heureux. Mais en plus de ça, quand je retrouve une structure comme celle de Golf Up à Grimaud, je suis le plus heureux du monde. Je remercie énormément Robert Roussy et toute son équipe qui m'ont laissé l'accès à ce centre alors que tout le monde est parti. Il m'a carrément laissé les clés de la maison pour pouvoir faire ce live pour vous. Donc un énorme merci à Robert Roussy. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un centre officiel Teclest. Donc l'un des deux centres officiels Teclest en France, le premier étant celui à Chantilly-Vineuil dans le nord, donc dans le nord, dans le nord de Paris, situé au nord de Paris, et donc le deuxième étant celui qui est à Golf-Up à Grimaud. Donc je suis dans la box Teclest aujourd'hui, qui est le partenaire de ces Facebook Live cette semaine avec le journal du golf, et aujourd'hui je voudrais vous parler spécifiquement du wedging, trois clés que vous devez absolument maîtriser. Si vous, devez, euh, si vous voulez vous donner toutes les meilleures chances possibles hein, d'effectuer des wedges avec succès quand, lorsque vous allez retrouver votre prochain parcours. Alors, le wedging. Premièrement, combien de wedges est-ce qu'on doit avoir dans le sac Donc, je dirais minimum 2 pour les joueurs amateurs, en sachant que moi, par exemple, j'en ai 3 dans le sac. Donc, j'ai un 52, j'ai un 58 et j'ai un 62. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous fassiez pareil. Je suis en train de vous dire que plus vous avez de wedges dans le sac, hein, plus vous avez des possibilités quand vous arrivez sur le parcours. Donc par exemple mon, tout vous avez remarqué une chose, c'est que tous mes wedges sont espacés de 4 degrés. pardon 6 degrés <laughs> 6 degrés. Donc 52, 58, 6 degrés et en fait mon 62 qui est officiellement le, 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 le loft le plus élevé, que Techless ont dans, euh, dans leur arsenal à, à Chantilly ici. En fait, j'ai demandé à Benoît Delcambre, qui est expert fitting à, à Techless, de me rajouter 2 de, de degrés de loft et de le transformer en 64. Donc, j'ai 6 degrés de différence entre chaque sandwich. Ça, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est concrètement avoir une synergie entre les wedges. En général, 4 ou 6 degrés sont les deux options que vous devez retrouver entre vos wedges. Et vous pouvez également prendre en compte votre pitching wedge. Donc, par exemple, mon pitching wedge à moi, qui est le modèle T100, est un 46 degrés. Donc, j'ai 46 degrés, pitching wedge, 52 degrés, 58, 64. 6 degrés d'écart entre mes 4 wedges. Donc, 3 wedges, 300 wedges, plus le pitching wedge. Donc, moi, je considère que ça fait 4 wedges. Il y en a un que j'utilise jamais pour le wedging, qui est le 62, le, le, donc le 64, pardon. Donc mon 64 degrés, je l'utilise uniquement pour les coups lobés, pour les coups dans le bunker et lorsque je veux vraiment faire arrêter la balle à rapidement sur le green. Donc quand j'ai une petite approche à faire et que j'ai le drapeau qui est à l'entrée, j'utilise mon 64 degrés. Mes trois wedges que j'utilise pour le wedging, c'est mon pitching wedge qui a 46, mon 52 et mon 58. La raison pour laquelle c'est important que j'ai une synergie sur les, les différents de, 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 de loft entre les deux, donc 6 degrés entre les trois wedges, c'est parce que je veux qu'il y ait, encore une fois, j'utilise le mot synergie parce que c'est un mot clé dans le live d'aujourd'hui, je veux qu'il y ait une vraie synergie sur les différentes distances que je vais taper. Je, n pas, je ne veux pas avoir besoin de forcer une distance. Je veux que, je veux que les, les, mes 100 wedge m'aident le plus possible. Donc, si j'avais par exemple un 46, un 52, 56, donc j'aurais 4 degrés entre le 52 et le 56, et 6 degrés entre le 52 et le 46, j'aurais besoin de trafiquer un peu le 56 pour essayer de trouver une distance intermédiaire, une distance qui est un peu gênante. Et souvent, lorsque j'ai des amateurs qui viennent me voir à l'académie, euh, en présentiel, je constate que... Le wedging en full swing n'est pas forcément la difficulté des joueurs amateurs. La difficulté, c'est de savoir gérer les, di les distances intermédiaires, les, les distances qui vous causent un peu problématique. lorsque vous êtes euh, sur le parcours et que, votre, par exemple, votre full swing avec votre 58, vous faites, je sais pas moi, 60 mètres et que tout d'un coup, vous devez faire 50. Comment vous le gérez le 50 Est-ce que je dois faire un demi swing, trois quarts Je ne sais pas. Est-ce que je force Est-ce que je force pas Il y a tellement de façons différentes de le faire. J'ai eu l'occasion de, de passer pas mal de temps avec un joueur de circuit européen, euh, je ne citerai pas le nom, mais ça a été un moment fantastique avec lui sur un tournoi où il m'a expliqué concrètement comment il s'organisait pour chacun de ses wedges. Euh, et donc du coup, c'était fantastique parce qu'en fait, il m'a dit, Lewis, quoi qu'il arrive, mon engagement est toujours le même. L'engagement que j'ai, peu importe le wedge, peu importe la distance, est toujours la même. Ça, c'est des mots-clés que vous devez retenir. Parce que très souvent, ce qui se passe chez beaucoup de joueurs amateurs, lorsqu'ils veulent jouer une distance intermédiaire, soit plus longue, soit plus courte que leur plein swing, donc par exemple, je repars du plein swing avec le 58 à 60 mètres, si tout d'un coup vous devez faire 65 ou 70, tout d'un coup vous mettez un gros coup de 58, ou si vous devez faire 50, tout d'un coup 50 mètres, vous vous retrouvez à freiner énormément avec le 58, l'engagement n'est pas le même. Donc, l'engagement, quoi qu'il arrive, peu importe le 100 mètres, peu importe la distance, doit être le même. Qu'est-ce que moi, je veux dire par engagement Quand je parle d'engagement, qu'est-ce que c'est C'est que le corps, en fait, tourne toujours de la même façon, peu importe la distance que j'ai, peu importe l'amplitude que j'ai. Je veux avoir un, un corps, alors là, je pars sur des distances qui vont se situer entre 35 et 100 mètres, d'accord Parce qu'en dessous de 35 mètres, on passe dans une catégorie que j'appelle « pitching ». Donc, j'en parlerai dans un autre live. Mais là, pour le coup, pour le wedging, 30, 35 mètres jusqu'à 100 mètres avec mes trois wedges donc, que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, pour le coup, ce que je veux, c'est une organisation d'une façon et une swing d'une façon à ce que le corps soit tout le temps utilisé de la même façon, qu'il soit engagé, engagé de la même façon. Backswing, traverser, le corps, si je n'ai pas le club en main, le corps, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas voir la différence si je fais un coup à 40, 50, 60 jusqu'à 100 mètres, si je n'avais pas le club en main, vous ne devriez pas voir la différence dans, mon, dans ma façon de soigner, si vous regardez juste mon corps. Okay Donc ça, c'est hyper important, l'engagement. Les trois éléments clés que je vais évoquer aujourd'hui vont être des choses qui sont primordiales, mais des choses, il y en a qui sont basiques, mais tellement importantes, parce qu'elles influencent énormément ce qui se passe à l'impact. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur le contact. Parce que le contact, c'est la priorité quand on parle de wedging. Quand on s'engage de la même façon, on se donne toutes les opportunités pour avoir un contact régulier. Quand les distances sont aléatoires et que notre engagement est aléatoire, le, le, le contact de balle sera aléatoire. Donc les résultats seront irréguliers. Donc le contact de balle, pour moi, est la priorité. Et donc quand on parle de contact de balle, on doit parler de position de balle. Positionner la balle de la même façon à chaque fois. Maintenant, ça c'est pour simplifier les choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont varier la position de balle dépendant de la hauteur, etc. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est rester extrêmement simple. Effectivement, si on veut jouer avec un club et effectuer plusieurs distances ou plusieurs hauteurs différentes, on peut naviguer sur la position de balle. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez des problématiques au wedging, commencez par maîtriser les bases. Position de la balle identique pour les trois wedges que vous avez, ou les deux wedges que vous avez en main. J'espère que vous avez deux wedges minimum dans votre sac. Donc, du coup, la position de balle, je dis toujours qu'il y a un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 1 va être pour les joueurs qui ont des problématiques de contact de balle, qui ont un manque d'irrégularité. Donc, du coup, ces joueurs-là, je vais plutôt les conseiller à avoir la position de balle en face du sternum. Okay donc, cette position-là va être favorable pour avoir un contact de balle balle-terre. Et donc, pour les joueurs qui ont tendance à gratter un tout petit peu ou toper, je préconiserai. Cette position de balle qui vous donnera plus de facilité à avoir un contact de balle régulier. Donc, balle en face du sternum. Okay. Le niveau 2, pour les joueurs un peu plus avancés, qui ont un contact de balle qui est déjà assez bon, je préconiserai une balle qui est légèrement à gauche du sternum. Ça, ça va favoriser un contact de balle avec un peu plus de spin. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un angle d'attaque un peu moins descendant, d'avoir cette sensation d'un peu plus brosser l'herbe, utiliser le bounce du club. Et en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que ces facteurs-là, avec la vitesse également, donc vous allez créer de la vitesse au moment de l'impact, ces facteurs-là vont créer du spin. Tout le monde me pose la question, Lewis, comment on fait pour créer du spin okay. bon, Si vous n'avez pas la capacité aujourd'hui d'effectuer de un contact de balle régulier, je vous conseille d'abord de commencer avec la balle au centre, en face du sternum. Et après, on passe au niveau 2, vous pouvez commencer à positionner la balle un peu plus à gauche du sternum pour avoir un contact de balle avec un angle d'attaque un peu plus neutre que lorsque la balle est positionnée en face du sternum, où là vous allez favoriser un angle d'attaque un peu plus en descendant, balle de terre. Okay Donc, ça c'est la priorité. Position de balle. Et encore une fois, si vous venez de vous connecter à, à cette vidéo, euh, je vous le rappelle, niveau 1, niveau 2, dépendant de là où vous vous trouvez aujourd'hui dans votre système. Un petit, euh, une petite parenthèse aussi sur l'importance, parce que je pense au spin et c'est une question fréquente qui arrive, Lewis, comment on fait pour créer du spin Des facteurs qui sont très importants avoir un wedge premium. Donc, moi, j'ai les SM8, les tout derniers tightless qui sont des bijoux. C'est absolument incroyable ce qu'on arrive à faire avec ces wedges-là. 58, 52, 64. Euh, pour le wedging, vous n'avez pas forcément besoin d'un 64, mais un 52, 56 ou un 52, 58. Euh, C'est quelque chose que je préconiserais. Okay Encore une fois, tout le monde a ses préférences. Je m'adresse à 90 d'entre vous. Il y aura toujours 10 d'entre vous qui vont opter pour un 54. Euh, donc… Des, des, des clubs qu'on n'a pas forcément tendance à voir. Donc, les clubs 52-56 ou 52-58, moi j'aime bien. Après, l'élément qui est important, c'est d'avoir une balle premium. Donc, c'est là où moi je vous conseille des balles premium comme des Pro v -V1, Pro -V1 x Il euh, y a une gamme de balles taillesses qui sont formidables pour ça. Mais favoriser une balle premium, ça va vous aider à créer et générer du bon spin. L'autre chose, c'est que quand vous tapez une balle sur le parcours, surtout dans cette période d'hiver, vous, vous voyez comme il fait l'hiver là, je, je sais pas si vous voyez le. <laughs> vous voyez l'air qui souffle de la bouche, mais ce qui est important, c'est de toujours nettoyer cette phase de club. Vous prenez une petite serviette mouillée et vous nettoyez cette phase de club à chaque fois que vous allez taper un coup quand votre balle est, est, se repose sur le parcours. Préférablement, quand la balle est sur le fairway, ça va nous donner plus d'opportunités de créer du spin. Donc, pour créer du spin, il faut que la position de balle soit favorable sur le parcours, en l'occurrence le fairway. Il faut que la balle soit propre. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de friction entre la balle et le club. C'est pour ça que je vous demande de nettoyer la face de club. Plus vous allez nettoyer la face de club, moins vous allez avoir de friction entre les stries et la balle. Okay Donc, c'est pour ça que quand il y a de la terre sur la balle, on appelle ça en anglais un bad bow, très difficile à contrôler. La balle peut partir dans tous les sens. Donc, balle propre, stris propre, face de club propre, sans match premium, balle premium, c'est tous ces éléments-là, vous pouvez les contrôler. Vous avez tout ça à votre disposition, vous pouvez maîtriser ces facteurs-là qui, quoi qu'il arrive, vont vous aider à créer du spin. Si ces facteurs-là, déjà, vous ne les avez pas en place, ça ne sert à rien qu'on parle de la technique. OK <laughs> Vraiment. Donc, je peux vous dire que ces éléments-là, c'est vraiment important. Ensuite, on parle de la position de balle. D'accord Donc, je l'ai indiqué. Balle en face du sternum ou légèrement à gauche du sternum si vous êtes un joueur un peu plus avancé. N'hésitez pas à jouer entre les deux et voir. Et surtout, n'hésitez pas à jouer des deux façons sur le parcours. Parce que, des fois, le tapis, et encore une fois, qu'on a accès à un centre magnifique comme Golf Up ici à Grimaud, c'est top de taper sur le tapis, euh, mais il faut quand même avoir le retour du terrain. Quand vous allez jouer 18 trous, n'hésitez pas à, à, à vous amuser en tapant une balle en face du homme, une balle légèrement à gauche, voir la différence entre les deux, voir laquelle vous maîtrisez le mieux. Et puis par rapport à ça, vous pouvez commencer à trouver une régularité dans la position de balle. Okay Donc ces, ces, ces éléments-là sont très importants. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est la position du haut du corps qu'on évoque très rarement quand on parle de wedging. Donc, la position du haut du corps en relation à la balle, elle est primordiale parce que mon sternum, donc juste en, en, entre les deux pectoraux, ce qui est très important, c'est que je vois en fait des joueurs, on leur dit il faut que tu mettes du poids sur la jambe gauche à l'adresse. Il faut absolument que ton poids soit sur la jambe gauche. Le problème avec ça, c'est que quand les joueurs placent leur corps sur le poids gauche, ils se retrouvent à avancer le sternum beaucoup trop devant la balle. Et donc, en l'occurrence, l'angle d'attaque beaucoup trop en descendant. Et ça va causer beaucoup de manque de régularité dans les distances qu'on veut essayer de maîtriser. Donc ce qu'on veut, et à vice-versa, contrairement, on a aussi des personnes qui essayent de faire décoller et lever la balle, créer de la hauteur. Et donc ces joueurs-là ont tendance à placer le sternum beaucoup trop en arrière par rapport à la balle. Et donc ça c'est encore plus grave, parce que là maintenant on va gratter ou on va la toper. Donc <laughs> si le, 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 le meilleur des pires, c'est celui qui est plus à gauche, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive... Les deux ne me plaisent pas. Moi, ce que je veux, c'est un sternum qui est placé au-dessus de la balle à l'adresse, d'accord Pour ceux qui ont vu le live, où j'ai parlé de, des coups à faire avec le hybride, je, je vous ai parlé du placement de, du, du, du sternum derrière la tête de club, légèrement derrière la tête de club avec l'hybride. Avec le sandwich, c'est l'opposé. Ce qu'on veut à l'adresse, c'est que le sternum soit positionné au-dessus de la balle. Est-ce qui se passe quand on place le sternum au-dessus de la balle, c'est que le corps avance automatiquement vers le côté gauche. Donc, on commence à mettre un peu de... On parle de pression dans la jambe gauche, dans la jambe avant pour les joueurs droitiers. Pour quand je dis jambe gauche, joueurs droitiers, évidemment. Donc, quand j'avance de cette façon-là, le sternum au-dessus de la balle, je commence à sentir qu'il y a une pression qui, se, qui, est, qui est en train de se présenter dans la jambe avant. Okay Et c'est ça qui est important. Donc, au lieu de penser à avancer le poids sur la jambe gauche... Je pense simplement à avancer mon sternum au-dessus de la balle. Et à partir de là, je sais que ma configuration est très bonne. Le moment de vérité. Justin Thomas, tea Cet instant précis où la préparation se transforme en performance. Où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, Soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Le deuxième point clé que je voudrais évoquer, c'est la répartition du poids du corps sur le wedging. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on entend beaucoup de coachs qui vont indiquer aux joueurs amateurs, mets du poids sur la jambe gauche, avance sur le poids gauche. Moi je ne suis pas trop fan en fait de déplacer le corps latéralement vers la gauche ou euh, vers la droite dans le, dans le backswing. Moi, ce que j'aime bien sentir au wedging, c'est qu'une fois que j'ai positionné la balle en face de mon sternum, ce qui est très important, c'est que ce sternum reste en face de la balle. Parce que, encore une fois, dans la, dans la première clé, je vous ai parlé de la position de balle. Mais ce qui se passe, c'est que trop souvent, les joueurs prennent la position de balle par rapport au pied. Et donc, ils se disent, OK, ma balle doit être au milieu de mon stance. Ne jamais prendre la position de la balle par rapport au pied. Prenez-la toujours par rapport au haut du corps. Sternum jusqu'à l'épaule gauche. OK Sauf pour un coup punché, on va aller à droite du sternum. Mais ce que je veux, c'est que quand la balle est positionnée au sternum, le sternum, si vous voulez, quand, il, quand la balle est positionnée au sternum et que le sternum est au-dessus de la balle, je sens automatiquement que le poids est légèrement à gauche. Je dirais 60-40, donc 60% à gauche, 40% à droite. Et le fait d'avoir ce sternum au-dessus de la balle me permet de juste ressentir la pression qui descend de façon verticale dans le sol au lieu d'avoir le corps qui est trop penché de cette façon-là. Donc le sternum beaucoup trop en avant, ce qui veut dire que le corps serait plus maintenant dans une configuration 70-80%. Beaucoup de fois, je vois les joueurs qui ont qui ont peur de la gratte et qui, qui, qui ont entendu qu'il fallait mettre le poids à gauche. Donc du coup, ils exagèrent et ils se mettent beaucoup trop de cette façon-là. Et là, et là, le problème, c'est que quand le sternum avance beaucoup trop par rapport à la balle et que le poids est trop à gauche, l'angle d'attaque va être encore une fois beaucoup trop en descendant. Chose qu'on veut éviter. Alors évidemment, l'angle d'attaque sera en descendant quoi qu'il arrive parce que la balle, elle est au sol. Vous ne vous inquiétez pas pour ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir cette sensation de brosser le tapis quand on va arriver au moment de l'impact. Ce qu'on veut, c'est utiliser... Le, le, le loft, on veut utiliser le bounce du club pour vraiment aller chercher un contact de balle avec une certaine neutralité au niveau de l'angle d'attaque, même si quoi qu'il arrive, que je vous ai dit, l'angle d'attaque ne sera jamais à zéro et sera toujours négatif. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas placer trop de poids sur la jambe gauche et le sternum trop en avant par rapport à la balle. Parce que là, ce qui va se passer maintenant, c'est que le contact de balle va être trop en descendant. Ou l'angle d'attaque, pardon, sera trop en descendant. Donc c'est pour ça que je parle de position de balle en face du sternum et jamais de position de balle par rapport au milieu de mon pied. Parce que je peux avoir, je peux avoir la position de balle au milieu de mon stance, donc au milieu des pieds ici, et avancer le sternum en avant ici. Et là, pour le coup, ma position, ma position est mauvaise. Mon, ma, mon organisation est mauvaise. Ma structure est mauvaise. Et vice versa, beaucoup de, beaucoup de joueurs qui ont peur, en fait, de. Ils veulent faire décoller la balle au wedge, avec le sandwich, et donc du coup se placent sur le côté droit ici. Et là se retrouvent, en fait, à rester côté droit et puis à, à vouloir se lever la balle de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je parle de l'importance du placement de balle en face du sternum. Et quand on fait ça correctement, le poids est réparti de la bonne façon. On sent qu'on est à 60-40. Et pas à 80 d'un côté ou, ou rester trop sur l'arrière. Sur Donc, le rôle du sternum en relation par rapport à la balle est tellement important et on en parle très très peu de, 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 de cette relation entre les deux. Donc, placement de la balle en face du sternum. Là, je sens que la répartition du poids du corps est 60-40. Et ça, ça me permet de ressentir quand je monte et je descends ce beau contact de balle. Alors, ce que j'aime bien ressentir, même si on sait à travers les différentes plaques de force maintenant, que Quoi qu'il arrive, quand on va aller dans le backswing, on va, on va avoir du poids dans le backswing. Mais en termes de ressenti, ressenti, d'accord, n'est pas forcément là. ressenti et réalité sont deux choses différentes. Mais en termes de ressenti, une fois que j'ai placé ma balle en face du sternum et que j'ai 60% à gauche, moi, j'aime bien avoir la sensation. Et je sais que c'est quelque chose que je préconise à mes joueurs, au joueur de, de l'académie, et c'est quelque chose qui marche bien. C'est qu'une fois que ce poids est 60% à gauche, d'avoir la sensation que ce poids reste 60% à gauche dans la montée jusqu'à l'impact. Encore une fois, ça ne sera pas la réalité. C'est une sensation. Hein. Je veux que les choses soient très claires. Mais cette sensation permet au corps de tourner plus facilement autour d'un axe plutôt que d'aller transférer latéralement vers la droite. Je déteste quand je vois un joueur transférer comme ça à droite ici au wedge. Je sais que de cette position-là, ça va être très compliqué de revenir correctement sur la balle. Donc il faut absolument, absolument, une fois que vous avez trouvé la répartition du poids du corps, 60-40, grâce à la position de balle en face du sternum, et grâce au fait que le sternum reste là et n'avance pas devant ni en arrière, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un corps qui va tourner en rotation autour d'un axe. Et favoriser. Ça, 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 adore. Le contact de balle, hyper agréable. Je sais que ça, sur le parcours, c'est un, une balle qui va s'arrêter très rapidement une fois qu'elle va trouver le green. Okay le, troisième point, le, 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 le troisième point important, et j'en ai touché un petit peu à, un mot au tout début de cette vidéo, c'est l'engagement. On veut avoir un corps qui tourne correctement, qui va permettre en fait, à ce club de travailler correctement. Okay ce que j'aime bien visualiser, c'est sur le wedging, c'est le fait de brosser l'herbe, c'est un peu comme si vous imaginez un avion qui atterrit et qui tout de suite, boum, qui remonte. Donc, il se pose et tout de suite, il repart. Donc, ce qu'on veut, c'est avec le wedge avoir cette sensation de, de vraiment brosser et de tout de suite, boum, d'avoir le, les mains les mains qui remontent, boum, de cette façon-là. Ce qu'on ne veut pas, c'est trop rester de cette façon-là. On va avoir des bras légers, avec de d'une tension légère, des mains légères, une tension de, de 1 à 5, 5 étant le plus fort, 1 étant le plus, le plus léger. Je travaillerai au wedging sur une tension entre 2 et 3. Donc, tension assez légère parce que ça, ça va vous permettre de d'avoir le club qui travaille avec un peu plus de vitesse à l'impact, un peu plus de fouetter qui va vous permettre de créer un peu plus de spin aussi. Je sais que le spin, vous en voulez. Donc, Position de balle en face du sternum, 60-40 à gauche ici. Je reste à gauche dans, dans, dans le backswing et la traversée. Et là, avoir cette sensation des bras légers qui traversent avec un... Quand je parle d'engagement, regardez le corps. Regardez, à chaque fois que je vais taper un coup de golf, mon corps, les hanches, le corps ici est tourné légèrement à gauche de la cible. D je n'aime pas tourner vers la cible. J'ai toujours à mes amateurs, quand vous voulez vous engager, engagez-vous pour que le corps tourne à gauche de la cible. Okay, à gauche de la cible. Le corps et le moteur, les amis. Donc si le, le corps et le moteur, le moteur du swing, le corps doit être fonctionnel pour ramener le club d'une façon fonctionnelle. Okay Donc ça, c'est hyper important. J'en refais une. Super ça. Une autre chose qui vous aidera avec l'engagement, c'est la position du pied gauche. Ce que j'aime bien visualiser, et je, prends le, je vais mettre la baguette dans, dans l'autre sens. C'est que quand je me positionne avec les pieds juste là, et là je vais mettre la caméra, je vais mettre la caméra de profil. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc la caméra de profil ici, ce que j'aime bien, c'est avoir un pied gauche qui est légèrement en retrait, légèrement en retrait par rapport au pied droit. Ça ne veut pas dire que je suis aligné à gauche. Il y a une différence entre. Stance ouvert et aligné à gauche. Ce que je fais, c'est que si je démarre avec mon stance qui est comme ça, donc là, les pieds sont parallèles à l'une et l'autre. Ce que j'aime bien, c'est avoir un pied gauche qui est, je dirais, si vous voyez, j'ai mis deux balles là, je vais en enlever une. D'accord Donc je replace ma balle au milieu, hop, en face de mon sternum. Et là, en fait, je place mon pied droit sur la baguette et le pied gauche juste devant la balle qui y a au sol. Ok et ce qui se passe, c'est que le fait de positionner le pied gauche légèrement en arrière, vous donnera plus de facilité à tourner vers la cible avec le bas du corps. Okay la raison pour laquelle j'aime bien cette idée, c'est parce que c'est un mouvement, le wedging va être un mouvement qui va être plus dominant du haut du corps que du bas. Mais on veut quand même qu'il y ait un certain engagement du bas, même si c'est un coup qui demande peu d'effort. On veut quand même qu'il y, qu y ait un engagement vers la cible. Et donc, du coup, le fait d'avoir le pied gauche légèrement en retrait facilite cette rotation autour de la jambe gauche et, et un meilleur engagement. Beaucoup trop de fois, je vois des amateurs qui placent les pieds parallèles à l'une et l'autre et donc, du coup, se retrouvent à faire ça. À pas du tout tourner le corps, à dire je comprends pas, et là, on reste sur la jambe droite ou on reste au, trop au milieu alors qu'on devrait aller s'engager sur le côté gauche. Voilà, je vois un peu ça. Alors là, le tapis peut être trompeur, hein, là, ce, 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 ce contact de bas était bon. Mais moi, ce que j'aime bien voir, c'est le pied gauche qui est légèrement en retrait, donc ouvert par rapport à la cible, pas, pas aligné à gauche, hein, ouvert par rapport à la cible. Voilà. Et là, maintenant, je peux vraiment avoir la sensation de tourner plus facilement autour, autour de cette jambe gauche. Okay de toute façon, vous faites le test. Hein. Quand je positionne le pied gauche en arrière, j'aurai plus de facilité à tourner. Quand je positionne le pied droit en arrière, j'ai plus de facilité à tourner au backswing. Donc, quand vous avez le pied gauche un peu en retrait, vous allez être limité par la rotation du bas du corps dans le backswing, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on parle du wedging, hein, on m'entend bien par rapport au wedging. Pied gauche en retrait me permet de maîtriser un peu plus la rotation du bas du corps dans le backswing. Okay, mais par contre, me permet de libérer le corps dans le, down, dans le downswing. Et ensuite, à contrario, pour les longs fers, les bois, pour les joueurs qui ont un manque de mobilité, j'aime bien placer le pied droit un peu en retrait, en arrière ici, parce que ça, ça favorise une meilleure rotation autour de la jambe jambe droite ou backswing, d'accord, de cette façon-là. Okay Donc, dans les deux cas, il faut savoir juste à quel moment il faut faire quoi. <laughs> d'accord Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir ce pied gauche légèrement en retrait ici. Okay Donc, c'est là où ça va nous aider avec l'engagement. Donc voilà les, les, les trois points clés, j'en ai rajouté. Hein. En ai, franchement, là, si on peut faire un résumé, il y a au moins cinq, 6 clés. La première, c'est évidemment d'avoir le bon wedge. D'accord Donc un wedge premium, séparer les degrés, 4 à 6 degrés entre les wedges. Rappelez-vous, moi j'ai 46 avec mon pitching wedge, 52, 58, 64. Donc j'ai quatre wedges, j'ai 6 degrés d'écart entre, entre tous les wedges. Donc euh, vraiment, choisir un wedge premium va être primordial. Ensuite, une bonne balle, une balle premium d'accord. si vous voulez créer du spin, il faut avoir une bonne balle et je parle pas des balles de récupération, hein, on s'entend, on s'entend bien, hein, c'est avoir des balles premium qui vont permettre d'arriver sur le parcours. Et quoi qu'il arrive, de vous assurer que vous avez tous les outils à votre disposition pour en mettre en place une bonne technique. Donc, même avant de taper un bon coup, il y a des choses à faire, d'accord Donc, bon wedge, bonne balle, nettoyez vos, vos stries à chaque fois, nettoyez la tête de club avec une serviette mouillée pour éviter qu'il y ait de la friction entre la tête de club et la balle. Okay Quand la balle a un bon lie, on peut commencer à envisager du spin. Ensuite, on parle. Là, je vais mettre juste de face. Pour le résumer, caméra face ici. Voilà, parfait. Donc ensuite on parle de la position de balle. Pour les joueurs niveau 1, donc qui ont des problèmes de contact de balle, je préconise une position de balle en face du sternum. Pour les joueurs qui ont plus de facilité, je, je préconise une position légèrement à gauche du sternum pour, en, pour avoir plus de facilité à créer du spin. Ensuite on a parlé de la répartition du poids du corps, 60-40 sur la jambe gauche pour nous permettre de favoriser un angle d'attaque légèrement descendant. Pas trop non plus donc on veut pas 80% du poids sur la jambe gauche 60-40 c'est un bon équilibre et ensuite d'avoir cette sensation de tourner plus rotation dans l'axe autour de l'axe pardon et de pas aller se décaler latéralement à droite et à gauche donc on va avoir cette sensation de tourner autour d'un axe en gardant ce poids 60-40 encore une fois c'est une sensation ce sera pas la réalité la réalité fera que une fois que vous allez monter quoi qu'il arrive vous allez avoir toujours un peu de poids sur la jambe droite un peu plus de poids à la montée que la jambe gauche mais la sensation c'est de rester 60 à gauche et 40 à droite, comme ça, ça facilitera les choses dans la rotation au backswing. Et le dernier point clé, c'est l'engagement vers la cible. À travers le fait que le pied gauche est légèrement en arrière par rapport au pied droit, donc on est dans un stance légèrement ouvert pour favoriser un engagement du, du corps plus facile autour de vers, vers la cible, pardon. Et ça, ça va nous aider, si vous voulez, à cumuler toutes ces choses-là, à créer un bon contact de balle. Alors. Évidemment, peut-être que sur toutes les clés que je vous ai données, vous allez peut-être en mettre une en place et ça va fonctionner, ça va être génial. Difficile de mettre les, tous les éléments en clé comme ça de cette façon-là, mais je voulais quand même vous offrir les trois clés pour que la prochaine fois que vous allez travailler au practice, vous puissiez avoir quelque chose sur quoi bosser. Donc que ce soit la position de balle, la répartition du poids du corps ou l'engagement, trouvez la clé qui vous convient le plus pour vous permettre d'améliorer. Vos performances au wedging, OK On se retrouve pour une pour un prochain Facebook Live très très prochainement et on finit sur la vidéo teasing du nouveau driver TSI de chez Taylest que j'adore, je le place je le place dans mon je le place dans mon sac et je peux vous dire que ça a été juste bah, mon bois 3 par exemple, je l'ai tapé hier matin, j'ai tapé mon bois 3 à 265 mètres. Alors, je suis pas en train de dire que tout le monde va taper à cette distance avec le bois 3. Mais honnêtement, et je ne dis pas ça uniquement parce que je suis ambassadeur de, de, de Tekles que j'adore, mais vraiment le Bois 3 et le Driver sont les meilleurs Bois 3 et, et, euh, et Driver que j'ai jamais tapé dans ma vie. Jamais. Donc euh, c'est une bombe, c'est une bombe atomique. La, la, la distance et la précision. Son rendez-vous sur ces bois. Donc, je vous conseille vraiment de les tester aussi si vous avez l'occasion d'aller rejoindre le National Titleist Fitting Center à Chantilly ou de venir visiter, si vous pouvez aussi, à Grimaud, le centre Golf Up, que je remercie encore une fois pour m'avoir laissé les clés de la maison pour effectuer cette vidéo. Un grand merci à Robert aussi et à toute son équipe pour le live de ce soir et de, de me permettre d'utiliser cette magnifique box. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain live. moment de vérité Thomas, cet instant précis où la préparation se transforme en performance où tout et quand ce moment arrive soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu soit vous ne le faites pas